messieurs, chers amis Vélisiens. Nous sommes ici, en ce 11 novembre, pour rendre l'hommage qui leur est dû à tous nos compatriotes qui sont tombés pour la France. Ce sont les conflits pour les valeurs que défend la France partout dans le monde. Ce sont des conflits pour nos valeurs de liberté. Gautier. Mort pour la France. Grippon. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de la 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blanc et rouge sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Il ne faut pas l'oublier que le premier mort à l'Arc de Triomphe, il date de 1920. Et aujourd'hui, depuis cette date, on honore cette tradition, justement au respect de nos anciens et ceux qui ont vécu pour nous, qui sont défendus de notre patrimoine. Contre nous de la tyrannie, l'étendard enseignant est levé. Entendez-vous dans ces campagnes, fugitifs et féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.